Commentaire de la sourate At-Tin, le figuier, une sourate révélée à la Mecque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytoun, par le figuier et l'olivier. Wat-tour-sinin, par le mont Sinaï. Wa hadhal baladil amin, et par cette cité sacrée. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. En vérité, nous avons doté l'homme en le créant de la forme la plus parfaite. ثم رددناه أسفل سافلين. Pour le ravaler ensuite au plus bas de l'échelle. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Excepté ceux qui croient, font œuvre pie. Et qui recevront une récompense qui ne sera jamais rappelée. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Comment peux-tu après cela douter encore du jugement dernier? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Allah n'est-il pas le plus équitable des juges? Par le figuier, il s'agit de l'arbre connu pour ses fruits de figues, et l'olivier. Le Très-Haut a juré par ces deux arbres en raison de leurs grands avantages et en raison de leur abondance en Syrie et dans la terre sainte d'Al-Quds, à l'époque de la prophétie de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Par le mont Sinaï, c'est-à-dire le Dieu où Moïse, alayhi salam, reçut la révélation, et par cette cité sacrée, il s'agit de la Mecque bénie, lieu où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation. Allah a juré donc avec ces trois lieux sacrés qu'il avait choisis pour y faire apparaître les plus grandes et les plus nobles des prophéties. L'objet du serment est sa parole. En vérité, nous avons doté l'homme en le créant de la forme la plus parfaite. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, c'est-à-dire d'une création parfaite et harmonieuse, avec une taille droite, des membres homogènes, sans rien perdre de ce dont il a besoin, que ce soit d'une façon apparente ou cachée. Or, en dépit de tous ces grands bienfaits dont l'homme est censé faire preuve de reconnaissance, la plupart des êtres humains font preuve d'ingratitude, absorbés qu'ils sont dans les loisirs et dans les jeux, et se contentant des choses les plus viles et des mœurs les plus basses. Par conséquent, Allah les laisse empêtrer dans le plus bas de l'échelle, c'est-à-dire les bas-fonds de l'enfer, Dieu des pécheurs rebelles contre leur Seigneur, sauf ceux à qui Allah a fait le don de la foi, des bonnes œuvres et des belles vertus morales, et qui recevront une récompense qui ne sera jamais rappelée. C'est-à-dire une récompense qui ne sera jamais interrompue, mais qui sera continue, abondante, avec une félicité éternelle et une joie inimaginable. Dans une éternité perpétuelle et une béatitude continuelle. Comment peux-tu après cela douter encore du jugement dernier? C'est-à-dire, une chose peut-elle te faire douter du jugement dernier? Ô homme, après avoir vu combien de signes, après avoir vu comme signe d'Allah ce qui implique la gratitude et comme bienfait de sa part ce qui implique pour toi la gratitude et donc la foi en tout ce dont il informe, et la foi dans tout ce dont il t'informe. Allah n'est-il pas le plus équitable des juges? Alayhi sallahu bi ahkamil hakimin. Par conséquent, sa sagesse peut-elle impliquer qu'il laisse les gens livrés à eux-mêmes, sans recevoir d'ordre ni d'interdit, sans être récompensé ou châtié? N'est-ce pas plutôt que celui qui a créé l'homme, étape après étape, qui lui a donné comme bienfait, faveur et don, ce qu'il ne peut dénombrer, qui lui a enseigné ce qu'il ne sait pas, doit impérativement le faire ressusciter dans un monde où sera sa demeure et le but de sa quête, vers laquelle il se dirige et à laquelle il aspire.